Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo qui, comme vous pouvez le voir dans le titre, sera ma FAQ. Donc, il y a quelques jours, voire une bonne semaine, je vous avais mis question-réponse pour une FAQ sur Instagram. Et bizarrement, j'ai eu énormément de réponses, énormément aussi de réponses totalement pareilles. Donc, du coup, je vais essayer de tout synchroniser. J'ai fait des screens de toutes les réponses pour pouvoir répondre à toutes les questions. Ça m'a étonnée parce que d'habitude mes stories on répond pas tant que ça et là j'ai eu vraiment beaucoup de questions. Et du coup on va commencer tout de suite par la question la plus répandue, c'est est-ce que tu veux un troisième enfant? Alors absolument pas. Alors ça m'est venu à l'idée pendant un certain temps parce que j'aurais bien aimé avoir une petite fille ou pas, mais je me rends compte qu'en fait deux enfants c'est déjà... Il faut déjà réussir à les gérer, à les élever comme il faut. Dans la vie actuelle, un enfant coûte cher, parce que ça tout le monde dit faites des enfants, mais personne dit que ça coûte cher, hein. Donc moi je le dis, ça coûte cher, donc faut avoir les moyens d'avoir plusieurs enfants, et faut pas penser qu'à maintenant, faut aussi penser à leur futur. Donc moi je préfère donner plus à 2 que moins à 3. Ça c'est mon avis personnel, hein. Je vais pas juger les gens qui auront 5, 7, 10 enfants, parce que ils font comme ils veulent, s'ils sont heureux comme ça, tant mieux pour eux. Moi avec deux enfants ça me convient très bien et maintenant je fais ma vie pour moi maintenant que j'ai eu mes enfants, les grossesses et tout, patatras, surtout que j'ai pas eu des grossesses faciles. Et voilà, ça me va très bien comme ça et non, je n'en aurai pas un troisième, je ne changerai pas d'avis de toute façon là-dessus, là c'est fini là-dessus. Ensuite j'ai eu beaucoup la question est-ce que tu as un budget livre? Donc non, je n'ai pas de budget pour lire. Ça dépend combien je gagne de salaire, parce que j'ai jamais le même salaire. Combien gagne Dylan de salaire, ça dépend aussi. Et puis ça dépend aussi, des fois on m'offre des livres, etc., etc. Donc ça dépend vraiment de tout, de chaque mois. Je sais que là par exemple j'ai un budget de 30 euros pour pouvoir m'acheter un livre ou deux, donc je vais voir ce que je vais m'acheter. Voilà, ça dépend vraiment les mois, il y a des mois où je me fais vraiment plaisir et puis il y a d'autres mois où ben, on peut pas, donc et ben voilà. Après avec tous les livres que j'ai, hein, même si la plupart sont lus, bah voilà. Donc du coup voilà, ensuite parce que j'ai eu beaucoup de questions, hein, qui reviennent toujours les mêmes, c'est... est-ce que c'est pas trop difficile avec deux enfants? Alors, des fois c'est compliqué. Alors, déjà, les personnes qui vous disent ah, mais non, le rôle de maman c'est le plus beau rôle de ma vie, tout va bien, tout va bien dans le meilleur des mondes, etc. Alors, moi c'est totalement faux, je vais pas du tout vous dire ça. Je vais vous dire que maman c'est pas super facile, qu'il y a des moments très difficiles, qu'il y a des moments qu'on se demande pourquoi on est devenu maman quand on voit comment ça se passe. Voilà, c'est pas toujours évident d'être maman, ce n'est pas inné d'être maman. Ça vient pas comme ça, voilà. Il y a des personnes pour qui ça met beaucoup de temps à arriver. Après, pour gérer deux enfants, bah voilà, c'est des routines en fait. Voilà, faut avoir des habitudes de se dire bah ça c'est ça, ça c'est comme ça, ça c'est comme ça, point. Parce que déjà, si on n'est pas organisé, si on n'a pas nos routines, on peut pas y arriver déjà. S'il n'y a pas d'organisation, c'est mort. Entre, ben moi vous voyez bien, avec Dylan qui est en déplacement, donc les semaines où je travaille, et ben je dois gérer le travail, les nounous, la maison, les rendez-vous, les ci, les ça. Si je suis pas organisée, c'est mort quoi. Je tiens pas du tout le rythme. Donc du coup voilà, si il y a un maître mot que je peux vous donner, c'est bien l'organisation pour ça, voilà. Alors ensuite la question, alors on me demande quelles sont mes autres passions. Alors j'adore la musique, surtout deux filières de musique, le chant. Avant j'adorais chanter, maintenant j'ai totalement laissé tomber parce que j'ai plus du tout la voix, mais quand j'étais ado j'avais vraiment la voix. Et le violon, voilà, j'adore écouter des vidéos de violon, j'adore ça et franchement c'est hyper apaisant, c'est... Enfin voilà, si j'avais pu jouer du violon plus jeune, je l'aurais fait, mais du coup voilà, c'est vraiment la passion, la musique. Après j'aime bien aussi faire les coloriages pour adultes, c'est vraiment très 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 détendant. Moi ça m'apaise, le yoga aussi ça m'apaise. Après voilà, j'ai pas beaucoup de temps pour avoir d'autres passions en fait, donc du coup ça s'en arrête là. Donc après je sais pas trop, j'aurais pas trop vous dire. Là je vois rien en tête à part la lecture et ça, donc du coup voilà. Ensuite on me demande si à part la lecture
J'aime bien regarder la télé. Alors la télé, tout ce qui est écran et tout, c'est pas super mon truc. C'est vrai que je regarde pas mal de vidéos YouTube, donc des chaînes BookTube en fait que j'adore. Après, depuis qu'on a Netflix, c'est vrai que je regarde largement plus Netflix, donc la télé. Parce que nous en fait, on a une box qu'on a décidé de prendre sans télé parce qu'on regardait pas, puis ça diffuse que de là sur la télé, donc nous on n'a pas voulu. Et du coup, c'est vrai qu'avec Netflix, je regarde pas mal de séries. Là, j'ai 5 ou 6 séries en cours. Du coup, voilà, mais je me marathonne pas des séries toute la journée non plus devant Netflix. Je regarde la télé, quoi, peut-être 2 heures par jour, même pas. Même pas, parce que finalement, je mets la télé, mais finalement, je fais autre chose. Je fais une machine, j'étends mes linges, je fais à manger, je range, je passe l'aspi, enfin voilà. Donc, je suis jamais vraiment devant la télé, sauf si c'est un truc vraiment, vraiment captivant. Comme hier soir où je me suis regardé un Harry Potter, j'étais la fille la plus heureuse du monde, j'arrivais pas à dormir, j'ai mis Harry Potter, bah là, j'étais à fond dans mon film. Et puis, bah, ça m'allait très bien. Ensuite, on m'a demandé pourquoi pendant plusieurs mois, j'avais pas fait de vidéo là et déjà l'année dernière. Alors là, tout simplement parce que j'avais un souci de matériel et tout simplement que quand je fais pas de vidéo pendant un long moment, c'est que j'ai totalement pas le temps. Là, ça faisait 9 jours que j'avais pas fait de vidéo, tout simplement parce que ben, soit j'avais les deux petits à la maison avec moi et en ce moment, je dois bien vous l'avouer, c'est assez dur avec les deux petits, hein. Soit je n'avais pas les deux petits qui étaient chez leur nounou, mais j'avais plein de rendez-vous donc. Comment vous dire que j'avais pas du tout le temps? Après, généralement, c'est que j'ai pas l'envie de faire une vidéo et comment vous dire que je ne vais pas faire de vidéo juste pour dire que vous ayez une vidéo. Voilà. Si je fais une vidéo, c'est vraiment parce que j'ai envie de la faire. De toute façon, ça se verra en vidéo si on a envie de faire une vidéo ou pas. Moi, perso, bah voilà, je pars de ce principe-là, c'est que je vous fais une vidéo parce que j'ai vraiment envie de partager des choses avec vous. Si j'ai pas envie de faire une vidéo et que je me force et que je suis comme ça, oui, allô, bonjour, j'espère que vous avez bien Nani, ça sert à rien quoi. Voilà, moi je pars de ce principe-là, il n'y a pas tout le monde qui part de ce principe-là. Après voilà, ça dépend les gens en fait. On m'a ensuite demandé si je comptais faire comme certaines booktubeuses des vidéos un peu à thème, c'est-à-dire par exemple les séries en cours commencées, les séries finies, les séries qu'on n'a pas encore commencées, les livres, les reliques de la pâle, etc. etc. Donc, eh ben pourquoi pas? Moi, ça me dérangerait pas du tout. Après, à vous de me dire en commentaire si ça vous intéresserait ou pas. Moi, c'est vrai que c'est des vidéos que j'avais pas forcément pensé à faire, mais après, si ça peut vous intéresser, et en plus, j'ai pas mal de séries que j'ai pas encore commencé ou que j'ai commencé. Donc, à voir. Si ça vous dit, dites-moi en commentaire quelle vidéo en fait vous plairait. Et ensuite, je verrai en fonction pour vous faire des vidéos, soit des tags, genre les tags PKJ, j'en vois tellement passer, je pense que ça peut être sympa. Soit les reliques de la pâle, soit. Il y en a qui m'ont demandé pourquoi est-ce que j'avais pas fait comme les lectures enchantées d'Elisa, c'est-à-dire une pâle participative où c'est vous qui choisissez mes 5 lectures par saison. Je me suis dit que peut-être ça vous intéresserait pas tout simplement, mais après si ça vous intéresse, n'hésitez pas à me le dire et dans ce cas-là, je vous ferai participer pour celle de l'hiver. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire quelle vidéo vous plairait, mais pourquoi pas? Moi, je suis ouverte à toute proposition, hein, du moment que c'est une proposition décente, qu'on se le dise, parce que vu les commentaires que j'ai eus certaines fois, voilà. Alors j'ai une question qui m'a trop fait marrer, c'était est-ce que tu te maquilles réellement tous les jours ou est-ce que tu te maquilles juste pour les vidéos? Donc ça va être clair et net, c'est rare que je me maquille. Je me maquille vraiment pour faire les vidéos, puis généralement une fois que j'ai fait la vidéo, parce que généralement c'est plus. Bah là on est en début d'après-midi, il est 14h pile, et des fois c'est le matin, donc du coup bah après je reste maquillée toute la fin de journée. Mais sinon voilà, je prends pas trop le. Non, c'est que je prends pas du tout le temps, même pour aller au travail, c'est rare que je me maquille parce que bah je prends pas le temps, parce que bah surtout quand j'ai le rythme du travail, bah, chaque minute compte et que pour moi c'est une perte de temps, mais oui, sinon quand je me maquille exprès pour mes vidéos. D'ailleurs, comme la plupart des filles qui font des vidéos comme ça, je suis en pyjama en bas, je me suis juste habillée en haut, voilà. Vous savez les dessous de mes vidéos. Alors, trois personnes m'ont demandé si je comptais faire un bookshelf tour. Alors déjà, comme vous avez vu, mes bibliothèques, ça a changé. Il y a un petit blanc là, tout simplement parce que j'ai mis une petite bibliothèque là où il y a tous mes livres de poche, en fait. Parce que ça prenait trop de place dans ma bibliothèque et que j'ai beaucoup de livres grands, comme vous pouvez le voir. Il n'y a que ces livres-là qui sont des livres de poche que j'ai laissés là, parce que c'est des livres PKJ. Mais je pense que je vais les mettre en bas là. J'ai plein de livres PKJ qui sont en train de s'accumuler et je vais mettre ceux-là avec. Mais
du coup, voilà, c'est vrai que là, j'ai bien bougé mon armoire. En plus, j'ai des pops. Donc, justement, ça, c'était dans mon unboxing, c'est que j'ai reçu 5 pops. Edwige, Dobby, La Belle de la Belle et la Bête, parce que j'adore La Belle et la Bête, c'est mon dessin animé préféré. Harry et Bellatrix. C'est vrai que du coup, j'ai réorganisé toutes mes bibliothèques un petit peu par maison d'édition. Là, il y a... Il y a Gallimard Jeunesse, là il y a Lumen, là il y a Robert Laffont, Bayard, Nathan. Enfin voilà, il n'y a que là-haut, c'est un petit peu le bazar. Puis là il y a beaucoup de PKJ, de Casterman et tout. Donc c'est vrai que j'ai réorganisé mes bibliothèques. Il me reste encore 2 ou 3 livres qui attendent parce que je dois les recevoir. Donc si après ça vous intéresse, bah, je vous ferai un bookshelf tour. Il n'y a aucun problème pour moi. Voilà, à vous de me dire ce que vous voulez ou pas. On m'a demandé pourquoi est-ce que je ne faisais pas de vlog. Alors tout simplement, bah, comme vous le savez ou vous le savez pas, je ne tiens... Oh, excusez-moi, j'arrête pas de taper dans le trépied et j'aimerais bien que ça revienne. Voilà. Tout simplement parce que c'est très compliqué de faire des vlogs quand on ne veut pas montrer ses enfants en vidéo. Pourquoi je ne veux pas? Non, bah, non, ils sont loin d'être moches, mes enfants, ils sont très très beaux, hein. C'est juste que mes enfants ont un droit à l'image, voilà, parce que c'est pas parce que ce sont nos enfants qu'on a tous les droits avec eux. Dès qu'ils sont nés, ils ont des droits comme chaque enfant et je suis en train de me barrer avec mon fauteuil. Alors attendez, c'est un fauteuil à roulettes qui se barre, voilà. Donc chaque enfant a des droits et chaque enfant a un droit à l'image, c'est-à-dire qu'on ne peut pas le filmer ou montrer des photos de lui sur internet sans son consentement écrit. Donc c'est rien que pour ça, parce qu'après les enfants peuvent se retourner contre les parents, hein. Il y en a plein qui le savent pas, mais c'est possible. Donc du coup, eh ben, c'est bien pour ça que je ne montre pas mes enfants. Puis en plus, il y a certaines personnes totalement poison de ma vie, que j'ai réussi à exterminer de ma vie, que je ne tiens pas à ce qu'elles reviennent dans ma vie, et je n'ai pas du tout envie qu'ils puissent avoir des nouvelles de mes enfants via mes réseaux sociaux. Donc du coup, c'est pour ça que je ne montre pas mes enfants. Et du coup, ça sert à rien que je fasse des vlogs, parce que mon quotidien... C'est les vlogs, c'est pour le quotidien. Et mon quotidien, c'est surtout en tant que maman. C'est mes enfants, mon quotidien. Donc, ça sert à rien que je vous montre des vidéos où finalement vous voyez que ma tronche. Mais finalement, il y a toujours mes enfants à côté. Donc, faut faire ci, faut faire ça. Enfin, c'est très compliqué. Donc, du coup, voilà pourquoi je ne fais pas de vlog et que je n'en ferai pas de toute façon. Et puis voilà. Puis ça me va très bien comme ça. Moi, là, je trouve que j'ai trouvé un bon rythme en parlant surtout de mes passions, c'est-à-dire le bullet journal, la lecture, etc. C'est vraiment des vidéos que j'avais très envie de faire. Et je trouve ça très bien de rester à ce rythme-là et de ne pas faire autre chose. Parce qu'il y a un moment dans ma chaîne où je m'éparpillais trop. Et il était temps que je revienne vraiment aux bases de ma chaîne que je voulais au départ et que je n'arrivais pas à faire, étant trop dispersée, à avoir plein de vidéos, à se dire ben non, je veux faire ça, ben non, je veux faire ça, mais c'était pas réellement ce que je voulais faire. Donc, du coup, voilà, en réorganisant les choses, en clarifiant les choses, et ben là, ça va mieux et on peut repartir sur des bonnes bases et des nouvelles bases. Alors, on m'a posé une question un peu bizarre, c'est est-ce que tu continuerais à lire autant si tu n'avais pas ta chaîne YouTube? Alors, déjà, je lisais bien avant d'avoir ma chaîne YouTube, hein, parce que je ne sais pas si je vous l'avais dit en vidéo, mais il me semble que j'avais repris la lecture au collège, voilà, que j'avais commencé à lire au collège, que j'avais lu, le premier livre que j'avais lu, c'était... Au bonheur des dames d'Émile Zola et j'avais adoré, c'est ça qui m'avait donné le punch pour lire et du coup je m'étais arrêtée que quand je me suis mise en couple et que j'ai eu mes enfants et je suis repartie après une fois que mes enfants commençaient à être grands que je me suis rendu compte que non, c'était pas un frein à ma lecture, du coup j'ai recommencé vraiment à lire et tout et non, je ne fais pas des vidéos pour... Enfin, je lis pas pour faire des vidéos. Voilà. Je lis parce que j'adore ça. Parce que moi, ben, j'ai besoin de ça dans ma vie pour être ailleurs. Parce qu'en fait, moi, quand je lis un livre, je lis pas seulement un livre, c'est que je vis à l'intérieur. C'est-à-dire que, par exemple, j'ai lu Magnus Chase et l'épée d'Asgard. Et ben, à chaque fois, à chaque chaîne, à chaque scène, je voyais la scène autour de moi et j'étais à la place de Magnus et je vivais ses émotions. Enfin, moi, je suis comme ça. Après, j'ai déjà écrit à plusieurs filles aussi qui lisent comme moi et qui sont pareilles que moi. Donc voilà. Donc non, je ne
Je ne lis pas pour faire des vidéos. Non, je ne lis pas pour faire des vidéos, pour faire beaucoup de vidéos, pour réussir à avoir plus d'abonnés, pour réussir à avoir plein de trucs derrière. Non, merci. Moi, si, parce que j'en reviens à une question qu'on m'a posée, c'est en fait, toi, t'as fait une chaîne YouTube juste pour avoir des sous. Alors déjà, non, merci, hein. Moi, j'ai fait une chaîne YouTube parce que quand j'ai ouvert ma chaîne, c'était un moment où j'étais vraiment pas bien. Logan avait quelques semaines et je faisais un baby blues et du coup, j'avais besoin d'extérioriser ça. J'avais besoin de parler, voilà, et du coup j'avais créé ma chaîne YouTube pour ça. J'ai jamais voulu, de toute façon, vu le peu d'abonnés que j'ai, c'est sûr que je risque pas d'être payée, voilà, mais non, j'ai jamais voulu faire une chaîne YouTube pour, dans l'optique de oh ben on m'offrira des trucs gratuits, oh ben je vais avoir des sous ou quoi que ce soit. Pas du tout, ça je m'en fiche en fait, voilà. Si j'ai envie de quelque chose, je me l'offre, hein. J'ai pas besoin des gens pour m'offrir quelque chose, quoi. J'ai envie de quelque chose, même si c'est long à avoir, mais je finirai par l'avoir. Enfin, moi je suis comme ça. Et du coup, eh ben, voilà, je trouve même cette question un peu con. Alors je pense qu'il y en a, concrètement, j'ai vu certaines émissions et tout, et je pense qu'il y en a sur des chaînes de vlog qui ont quand même énormément d'abonnés qui se servent de leurs enfants pour avoir des sous. Ça, je suis entièrement d'accord, hein. Ça se voit dans la façon de faire et tout. Moi, perso, bah, je m'en fiche, quoi. Je fais ça pour le plaisir, en fait, de pouvoir filmer des vidéos parce que j'adore ça. Pour le plaisir de pouvoir échanger avec vous parce que c'est un réel plaisir. Mais même ne serait-ce que de voir vos commentaires, pouvoir y répondre, pouvoir vous montrer un peu plus de moi à travers la caméra et tout, non, je trouve ça vraiment top et j'ai pas besoin de plus, hein. Et puis même si ma chaîne reste toujours à 80 abonnés, bah qu'elle reste à 80 abonnés, c'est pas grave, je continuerai quand même à faire des vidéos. Alors pardon s'il y a la lumière qui bouge, mais c'est qu'il y a le soleil qui arrive, qui repart, qui arrive, qui repart, il y a plein de nuages aujourd'hui, c'est génial, parce que ma fenêtre est juste au-dessus en fait. Mais du coup voilà, je fais ça parce que j'aime, parce que je suis passionnée par la lecture et que j'ai vraiment très très envie de vous en parler, c'est tout. J'aurais pas envie de vous en parler, bah, de vous en parler, hein. Concrètement, ça se voit dans les vidéos, si on fait ça juste pour faire une vidéo ou on fait ça par plaisir, ça se voit. Et moi, c'est un réel plaisir pour moi de pouvoir partager avec vous. Et puis du coup voilà, tout ce que je pouvais dire pour cette question. Et je vais finir avec une dernière question parce que là je ne sais pas à combien elle est la vidéo, mais je pense qu'elle doit être un peu longue quand même. Si on m'a posé la question, c'est comment te vois-tu dans l'avenir? Alors dans l'avenir, ce que j'aimerais, c'est pouvoir faire construire. Voilà, j'ai déjà le plan et tout en tête. Pouvoir avoir une grande bibliothèque. Voilà, j'aimerais m'acheter la bibliothèque Billy à Ikea. Bon, qui coûte une blinde, hein, c'est la plus grosse qu'il y a. Elle coûte 327 euros, mais elle est renforcée. Elle fait quand même 2,30 m, donc elle est très 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 haute. Et puis il y a quand même 4 meubles, 3 meubles qui ont à peu près cette grandeur et un meuble qui est à peu près la grandeur derrière. Donc elle est très très grande. Et étant donné que je vais continuer à avoir des livres et tout, ça pourrait être très intéressant parce que dans la maison, bah, j'ai une pièce pour moi où il y aurait ma bibliothèque. Et du coup, voilà, ça serait trop 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 bien. Ce que j'aimerais, c'est réussir mon bac aussi parce que voilà, je vous en parle peut-être plus, mais j'ai recommencé à réviser. Là, j'avais arrêté avec le boulot et tout. Et là, je recommence un petit peu à réviser, mais c'est un peu compliqué. J'ai un peu du mal à redémarrer. J'avais tellement le peps et tout au départ de me dire, ouais, je vais réussir à avoir mon bac et tout. Et puis, il y a tellement tout qui m'est tombé sur la tronche après que du coup, ça m'avait totalement démotivée. J'aimerais bien bah, avoir un CDI, hein. Concrètement. J'aimerais bien réussir à avoir un CDI pour avoir bah, un boulot stable, etc. Ce que j'aimerais aussi, ce que j'aimerais. Il y a tellement de choses que j'aimerais que. Me racheter une voiture? Ouais, parce que la mienne commence sérieusement à crever, donc oui, j'aimerais bien me racheter une voiture, mais ce que j'aimerais surtout, c'est être heureuse, voilà. Avoir une vie heureuse, que mes enfants soient heureux, j'ai envie de dire. On a déjà la santé, c'est déjà ça, mais voilà. Que mes enfants soient heureux, que du coup je sois heureuse et que tout aille pour le mieux, que tout ce qui a pu être souci du passé soit effacé et qu'on puisse. Voilà, qu'on puisse continuer à avancer tout en étant bien. Voilà, c'est tout ce que je peux me souhaiter, c'est tout ce que je vois dans l'avenir en fait. Donc c'est le principal et je trouve que voilà, c'est ce qu'il faut. Donc du coup, voilà. Bon, sur ce, je vais vous laisser. J'espère que cette FAQ vous a intéressé, que j'ai pu répondre à certaines questions. Alors je sais, c'est pas une FAQ comme vous aimez bien voir et tout, mais moi.
Voilà, j'ai répondu avec mon cœur aux questions. Je pense qu'elle est déjà assez longue. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à me les dire en commentaire et j'y répondrai avec honnêteté, sincérité et avec plaisir. Et du coup, voilà, sur ce, je vais vous laisser. Je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à bientôt pour une future vidéo.